L'Afrique est le continent où on travaille le moins du moins. Globalement, on travaille moins. Mais si tu prends certains pays, comme le Rwanda par exemple, on travaille plus à cause du leader. Si tu prends le Ghana, on travaille un peu plus à cause du leader. Si tu vas au Cameroun, le travail est comparable au Bénin. Si tu vas, je sais pas moi, en Guinée équatoriale, c'est encore pire. Si on remonte sur le plan historique, on a défini le travail comme étant une punition, et c'est la Bible qui l'aurait défini. Et ça, les Africains se sont permis de prendre ça comme la définition de travail. On a aussi défini le travail comme étant quelque chose qu'on fait pour quelqu'un. Ça encore, c'est une faute que les Africains captent. On a enfin défini le travail comme élément nécessaire pour survivre. C'est encore un problème. Nous singeons l'Afrique, l'Europe idiotement. L'Europe a développé des nouvelles technologies qui permettent de dire que si je travaille 40 heures, ça peut être équivalent de 80 heures. Nous refusons de questionner pourquoi ils peuvent décider de travailler 40 heures et ils se développent tous les jours. Et nous travaillons 40 heures et nous ne pouvons pas nous développer. On refuse de... On dit simplement que l'Occident nous exploite. Mais si nous nous exploitons, c'est parce qu'on a décidé d'accepter d'être exploités, non? Parce que nous ne sommes pas au travail. Si la Chine, qui travaille beaucoup, beaucoup et beaucoup, fait encore 60 heures aujourd'hui, c'est qu'il a 12 heures par semaine. Non, 20 heures par semaine. Oui, supérieur à l'Europe. C'est normal qu'il grignote un peu sur le temps. La première partie du monde où il faut piquer quelque chose, c'est l'Afrique elle-même. Parce que n'oubliez pas qu'avant la colonisation intellectuelle, mentale et morale, on travaille beaucoup en Afrique. Beaucoup d'inventions ont été faites en Afrique. N'oubliez pas. Donc, il faudra reprendre l'histoire que nous connaissons d'Égypte, d'Éthiopie ancienne, de royaume Monomotapa, pour reprendre les notions essentielles du travail. Ensuite, s'il faut sortir du continent africain, il faut aller en Asie. Le travail est ce qui ennoblit l'homme, ce qui enrichit l'homme, ce qui lui permet de s'élever au plus haut degré. C'est ce travail qui permet à l'homme de dépasser toutes les autres espèces vivantes. Oui. Le travail, si telle est l'acception que nous acceptons, ça veut dire que le travail doit être considéré comme une partie de plaisir. Lourd. Ma personne, je pense que tu as regardé la vidéo qui est sortie hier et aujourd'hui c'est juste une continuité parce que je me suis rendu compte que tu as beaucoup apprécié le contenu d'hier. Voilà pourquoi j'ai décidé de remettre une couche. Donc, tu connais déjà le concept, celui qui consiste à faire une brève analyse de nos mentors qu'on suit au quotidien et qui nous inspirent. Donc, le mentor qui a pris la parole une fois de plus aujourd'hui, c'est le docteur Paul Focam Camonier. C'est d'après les dernières statistiques, l'Africain le plus riche d'Afrique francophone. Il est d'origine camerounaise, you know. Et là, il aborde une notion assez épineuse qui est le travail chez nous en Afrique. Avant d'aller plus loin, je vais quand même préciser un petit truc, c'est que ce 8 octobre 2022, nous organisons à Paris, à l'hôtel Hilton, situé à La Défense, un événement inédit baptisé le Week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre les écrivains et les futurs écrivains qui ont à cœur de partager leur expérience. Cela étant dit,
Si jamais tu veux bénéficier de l'expérience de ces entrepreneurs, de ces coachs, de ces personnes visionnaires là, qui ont à cœur de partager leur expérience avec toi, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Parce que tu as précisé que au cours de cet événement, tu découvriras des personnes ordinaires qui ont pu écrire un livre inspirant en 28 jours, top chrono, dans le seul but de partager leur expérience avec toi. Cela étant dit, ma personne, on va rentrer dans le vif du sujet. Le principe est le même. Donc, je dois t'avouer que le premier point que je veux souligner ici, c'est que lorsque je suis tombé sur cette vidéo-là et qu'il a dit « L'Afrique est le continent où on travaille le moins », j'ai été choqué. Oui, j'ai été choqué. Je l'ai regardé avant, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Moi, je me rappelle quand j'étais sur place, on souffrait, on bossait, on crachait. Non? Tu peux beaucoup souffrir sans pour autant être productif, sans pour autant beaucoup travailler. Et avant, je pensais qu'en Afrique, on travaillait beaucoup. Mais quand je suis arrivé en Europe, je me suis rendu compte qu'en effet, on ne travaille pas chez nous. Oui, on ne travaille pas. Je vais t'expliquer pourquoi on ne travaille pas chez nous. Tu sais, des fois, tu donnes un travail à quelqu'un. Il prend ça comme étant une blague, comme étant un jeu. Il ne prend pas ça au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il sait que même s'il perd son boulot, il y aura toujours un frère qui va l'accueillir à la maison. Il y aura toujours une soeur qui va lui donner à manger. Il sait que n'importe quand, on peut même l'inviter à une fête, il va aller boire et manger et danser. Alors qu'ici en Europe, si tu ne travailles pas, mon ami, qui va te donner à manger? Qui va te donner à manger? Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles chez nous en Afrique, je suis désolé de le dire comme ça, mais on ne prend pas le travail au sérieux. Ça, c'est un danger. Et puis même, tu vas voir des gens qui, le jour qu'il pleut, il te dit qu'il ne peut pas venir au travail. Parce qu'on a coupé la lumière, il te dit qu'il ne peut pas travailler. Donc, il n'a même pas cherché à tout. Donc, il trouve toujours une excuse. Et après, quand il y a deux, même si c'est le cousin éloigné de je ne sais pas trop quoi, d'abord jeudi, il a lavé. Vendredi, il a lavé au village. Samedi, il est au village. Et dimanche, il est... Dimanche, on ne travaille pas. Donc, ça veut dire que sur une semaine, quand il y a deux dans la famille, même c'est le cousin de je ne sais pas trop quoi, il se retrouve en train de griller 4 jours de travail. Est-ce à dire qu'il ne faut pas assister au deuil? Je ne dis pas ça. Mais à un moment donné, si on veut vraiment que les choses avancent, il faut qu'on remette le travail au centre de tout. Parce qu'il n'y a que par le travail qu'on pourrait s'en sortir. Et rien d'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est en Europe, ils ont déjà automatisé certains process. Ils ont déjà mis en place certains leviers qui leur permettent de ne pas avoir besoin de travailler pendant 8 heures pour avoir un certain résultat. Et nous, si on veut au moins atteindre leur niveau, si ici, ils travaillent 8 heures, nous, on doit travailler 35 heures par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va dire qu'on va avoir les mêmes résultats que eux en posant les mêmes actes qu'on posait il y a 40 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Et je vais aller plus loin. Parce que quand on dit que chez nous, on ne travaille pas, je vais aller plus loin. C'est vrai qu'on dira qu'à l'école, on ne nous forme pas à peut-être dans des métiers tels que l'électricité, l'agriculture, des métiers comme ça. C'est vrai, on va dire les métiers de la manutention. C'est vrai qu'on nous dira qu'à l'école, on ne nous forme pas dans ces différents métiers-là. Oui, on peut le dire. Mais puisque l'école ne le fait pas, mais toi, tu peux apprendre par toi-même et maintenant former d'autres personnes. On va toujours attendre que l'État fasse les choses. Parce qu'on a compris que l'État a échoué. Le professeur Paul Foucault a créé son école pour former des gens qui travaillent dans ces entreprises. On savait que toi aussi, tu peux le faire. Oui, toi aussi, tu peux le faire. Donc, mon propos ici, c'est de dire que le problème de l'Afrique, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est d'abord les Africains. Parce que lorsque on te donne un travail et que derrière, tu n'arrives pas à prendre ton travail au sérieux, ce n'est pas l'Europe. C'est toi le problème. Et je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous sommes au Burkina Faso en août pour le week-end de l'écrivain, la première édition à Ouagadougou. Et une fois là-bas, on avait un chauffeur. Et le chauffeur en question, il n'était jamais à l'heure. Jamais à l'heure. Et comme ça ne suffisait pas, une fois, on se retrouve à un endroit et on lui explique que, gars, tu conduis, donc vaut mieux ne pas boire. Parce que tu conduis, non, ne veux pas prendre de risques. S'il te plaît, ne bois pas. Quand on aura fini, après, tu pourras boire. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Enfin, pas moi, c'est parce que c'est à ma copine qu'il parlait. Il lui explique que si
Il doit arrêter le tuyau, il ne doit pas boire sa bière parce qu'il travaille, autant arrêter son travail. Il a dit clairement ça, que s'il ne doit pas boire sa bière parce qu'il travaille, autant qu'il arrête son travail. Est-ce que quelqu'un peut faire ça ici en Europe? Non, non, non. Ils le font en Afrique parce qu'ils savent que même s'il arrête son travail là, ben, il va forcément trouver quelqu'un chez qui il va manger, quelqu'un chez qui il va faire la fête, quelqu'un qui va forcément lui donner une bière, il va boire. Alors qu'ici en Europe, et vu que tu arrêtes de travailler, tout le monde est next. Qui va encore t'inviter? Voilà pourquoi quand tu vois les gens, la majorité des Africains, quand ils arrivent ici, ils bossent. Est-ce que c'est pour dire qu'en Afrique, il n'y a pas le travail? En Afrique, il y a le travail, mais c'est juste qu'on ne prend pas ce travail au sérieux. Donc, mon propos ici, c'est de te dire que si tu travailles sérieusement, tu trouveras toujours du travail. Et quand on est dans un environnement où tout le monde ou presque est médiocre, tu as juste besoin d'être bon pour te faire énormément d'argent. C'est-à-dire, en Afrique, c'est l'un des rares continents dans lesquels on trouve des gens qui étaient extrêmement pauvres, qui sont devenus super riches. Alors qu'ici en Europe, tu vois que la richesse se transmet de génération en génération, de génération en génération, très souvent. Alors que chez nous en Afrique, c'est l'un des rares endroits où on trouve des gens qui quittent de la pauvreté la plus extrême et qui deviennent super riches. Ça veut dire qu'il y a tout sur place. Mais le problème, ce sont les hommes. Le problème, c'est le sérieux que tu mets dans ton travail. Parce que sois juste un peu sérieux dans ton travail. Et je te rassure que entre 5 et 7 ans, tu vas faire une fortune. Et oui, les statistiques, les chiffres ne mentent pas. Et en ce moment, les choses se passent en Afrique. Mais il y aura de la place que pour ceux qui seront sérieux dans le travail. Lorsque j'étais au Cameroun cette année, je me suis rendu compte que ben, Carrefour a ouvert une grande succursale. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent parce qu'ils ne viennent pas faire de la charité. Et les prix là-bas au Cameroun, c'est parfois 2 à 3 fois plus cher qu'ici en Europe. Mais ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Et ils ont vu cet argent-là. Et comme ils font bien les choses, les gens vont dépenser chez eux. Donc si les gens ne viennent pas chez toi, c'est parce que tu ne fais pas les choses de la bonne manière. Et si tu fais de la bonne manière, il faudra que tu travailles de manière sérieuse. Cela étant dit, j'espère que tu auras bien compris le message de ma vidéo. Et tu sais très bien que moi, comme d'habitude, je n'aime pas terminer une vidéo sans te recommander un livre. Et je te recommanderai le livre du docteur Paul Fokam-Kamounié, L'intelligence économique, disponible sur argentlivre.com. Ma personne, ça, c'est un livre qui va te permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Oui, et c'est fondamental pour toi de lire de tels livres parce que ça va te transformer. Pour être transformé, il faut être informé. En tout cas, des livres comme cela, ça m'a transformé, ça m'a permis de mieux lire le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui me permet d'avancer, j'espère, dans la direction qui est plutôt la meilleure. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous le 8 octobre au cours du week-end de l'écrivain à l'hôtel Hilton à Paris. Minakano.